Chers téléspectateurs de La 3, de LBB, amis de cette émission, bonsoir. Malheureusement, La 3 passe des moments difficiles. Le lundi 6 mai dernier, notre collègue, notre amie, notre sœur Marie-Dominique a posé le micro à tout jamais. Il serait impossible pour nous de démarrer cette émission sans lui rendre un hommage vibrant, positif. Je ne saurais dire si depuis là où elle se trouve, elle nous entend, mais pour le moment que nous avons eu la chance de partager avec elle, nous retenons de cette dame quelqu'un qui avait une joie débordante, quelqu'un qui aimait la vie, quelqu'un qui avait du sourire à offrir à tout le monde, quelqu'un qui avait cette particularité d'envoyer un brin de joie partout où elle se trouvait. Dans ces moments difficiles, l'équipe d'LBB souhaiterait présenter ses condoléances les plus attristées à sa famille, à son compagnon, à son fils, à sa mère, à toutes ces personnes à qui elle est chère. Et j'aimerais par-dessus tout inviter Dieu à panser les blessures de vos cœurs, parce que quand on passe par ce type de moment, il n'y a que Dieu qui peut nous faire relever la tête. Soyez fiers, vous nous avez offert à nous, personnel de La 3, quelqu'un de très très formidable. Aux téléspectateurs des LBB qui ont eu la chance de la voir aussi, parce que parfois en mon absence, quand la santé me faisait défaut, elle était là pour prendre soin de vous. De là où tu es, Marie-Dominique, merci. Merci d'avoir laissé à ce monde Téchan, qui, j'en suis sûre, va faire briller d'une façon ou d'une autre tout ce que tu lui as offert. Repose en paix. Comme tout homme, tu as été utile sur terre. Et je pense que de là où tu es, tu vois sûrement comment tout le monde te regrette. Que le Seigneur te reçoive à sa droite. Repose en paix et on te porte dans notre cœur. Et je pense que, comme on le dit, un artiste ne meurt jamais. Un artiste, c'est quelqu'un qui sait faire vivre les autres. Et tu as su nous faire vivre. Merci pour tout. Merci beaucoup pour ton passage sur terre. On va l'ovationner parce que... Parce que oui, c'est ça. C'est aussi ça, la vie. C'est une pièce de théâtre. Chacun joue sa partition et part. C'est difficile à accepter, mais elle est faite ainsi. Voilà pourquoi, à vous qui nous suivez ce soir, parents, amis, frères, téléspectateurs de LBB, j'aimerais vous inviter à offrir à vous-même et à toutes ces personnes que vous aimez des moments de gaieté, des moments d'amour. Donnez de l'amour sans réfléchir. Quand vous partirez, ceux que vous avez aimés garderont ces meilleurs moments de vous. Aujourd'hui, quand moi je pense à Marie-Dominique, je repense à ces moments où elle dansait, où elle chantait. Et je veux penser qu'à ça. Je vous invite à faire pareil pour qu'au soir de notre vie, on ait des raisons de sourire. Ceux qu'on laisse sur terre aient des raisons de sourire. Merci infiniment. Et puis on va essayer, en tout cas, d'avoir de l'énergie positive, de la joie pour l'accompagner et pour accompagner également sa famille pour qui ce moment sont forcément plus terribles. Alors, je suis bien évidemment accompagnée ce soir de mes bêtes de scène. J'ai dit bonsoir à Fernandez, ça va Fernandez? Voilà, oui, ça va, ben, je vais super bien. On va nous essayer en tout cas de donner de la positivité aux parents, aux téléspectateurs qui traversent des moments difficiles. Oui, ça va, t'as passé un bon week-end? Oui, ben, là, j'ai passé un bon week-end, mais hier, il y a quelque chose qui s'est passé là, j'ai pas aimé. Quoi? Moi-même, ma maison. Mm-hmm. J'achète mes factures de courant. Je paye mes factures de courant. Ah, j'ai eu peur. Je paye ma maison. Comment t'achètes les factures? Je nourris mes enfants. Et on m'interdit certaines choses. Alors là, on me désigrie. Comme quoi? Ma femme voyage, c'est normal. Ouais. Elle interdit la servante de se priver pendant qu'elle n'est pas là. Pourquoi la servante de pas? De se priver, comment je comprends? De la maison. Mmh. Pendant qu'elle voyage, la servante aussi doit aller chez elle. Moi, je ne mange pas. Mmh. La servante, ça va pourquoi? Bon, tu peux acheter de la nourriture. Ou tu as un rapport particulier avec l'aide ménagère? Pourquoi tu veux manger? Je mange comment? Les enfants mangent comment? Question. D'accord. Tu voyages, mais laisse la servante nous faire la cuisine. Vous faites la cuisine. Tu as un sourire qui me fait croire que tu ne veux pas que la cuisine. Mais bon. Alors, Gora. La bonsoir, belle. Ça va? Bonsoir, la belle. Bonsoir à tous. Mais plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. T'as quoi de positif pour nos téléspectateurs ce soir? Oui, même quand ça va pas, ça va tout joindre au cabinet. Hein. Voilà, tellement de dossiers à signer que voilà, souvent on a du mal même à compter le temps, à voir le temps passer. Voilà, on compte plus le temps tellement on est passionné par ce qu'on fait. C'est pourquoi on prend rendez-vous encore avec les téléspectateurs, les internautes pour leur communiquer la bonne humeur parce que c'est notre travail. Merci beaucoup. On va voir. Alors, Montana. Oui, la bonsoir, belle. Tu vas bien? Ça va. Ça va la famille? Ça va, tout ça va, le monde va j'ai bien. Envie de dire, ça va le mental? Oui, le mental, le moral, ça va. On va s'efforcer ce soir hein, s'efforcer à donner seulement. De la positivité oui, à la famille sûr, et aux téléspectateurs. Au passage, je voulais dire un merci à un apprenti là, parce qu'avant de venir au boulot, le baka dans lequel j'étais, l'apprenti s'est comporté d'une manière, je n'ai pas aimé, mais ça m'a sauvé un peu quelque part. À la descente, il m'a associé
au niveau de la monnaie, quoi, avec mon propriétaire de maison, oh, je dois 2 mois. Donc, il dit, peux-tu en faire comment? Il dit, il faut prendre ça avance sur le loyer. Zachary Montana. Eh bien, dans toute cette atmosphère de un peu mou en griffe, on a quand même besoin d'apporter de l'énergie à nos téléspectateurs, de la force. C'est aussi ça notre mission et notre force, notre énergie sur ce plateau. C'est Neji, bonsoir. Bonsoir, la belle. Comment tu vas, Neji? Oui, ça va, ça va. J'espère que chez vous aussi, vous allez très bien. Et moi, j'ai un proverbe toujours qu'on me dit. On dit la meilleure façon de rendre hommage à ceux qui sont partis, c'est de vivre. Ouais, c'est de vivre. Ça. Et alors, moi, je vais vous demander là maintenant 10 secondes d'applaudissements pour qui était Marie-Dominique ou qui est Marie-Dominique. Voilà. On retient que du positif, on retient le rêve qu'elle a vendu aux personnes, on retient sa bonne humeur, moi je retiens que son sourire, je retiens que sa joie, son sourire qui faisait souvent penser à les siphons de toi, mais en vrai, qui était vraiment pour nous dire voilà, qu'on est ensemble, qu'il n'y a pas de problème, voilà, très très chaleureux. Donc on retient que ça est dans le royaume de Dieu, que Dieu l'accueille à sa droite et voilà, que nous puissions toujours donner de la joie quand on parle d'elle, penser à la joie, penser à l'amour, penser à tout ce qui est bon. Merci beaucoup Neji, merci. Alors, je vous ai dit qu'on est là, on est là pour remplir la mission pour vous, téléspectateurs, pour vous permettre également de penser à des choses plus gaies. Aujourd'hui, voici notre On s'en mêle. C'est un témoignage d'un producteur qui est venu nous voir. Il nous dit ceci. Je loge chez moi fréquemment des artistes de mon écurie, mais cela gêne ma concubine. Depuis un moment, elle ménage de partir. Que faire? Eh bien, pour réagir à ce sujet, vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct ou encore nous appeler au 27 21 59 93 99. Pour l'heure, le téléphone n'est pas ouvert. Il sera ouvert bien après la bête qui en bête. On y va. Alors, original, hein, aujourd'hui, hein, on fera sans musique, mais je sais que dans votre tête, ça trotte déjà. Alors, en ce moment, avant tout propos, on est déjà fiers de nos artistes ivoiriens qui sont en ce moment en vogue et qui vraiment représentent fièrement le drapeau ivoirien. En parlant de ces artistes-là qui récemment ont rempli une salle mythique, c'est le Casino de Paris. Alors, casino est un mot d'origine italienne qui signifie littéralement « petite maison ». On comprend pourquoi les artistes ivoiriens n'ont pas eu du mal à remplir cette salle de spectacle ce week-end. Alors, c'est une mission accomplie pour Madame Chewe, hein, Rosine Layo, et la team Peya. La première a fait vibrer le public de Paris avec ses chansons. Et puis, voilà, on connaît bien Rosine Layo. Elle et puis le style, c'est une histoire qui n'est pas prête de finir. Et avec son style purement Roseline, elle a égayé le public. Ah, ça, c'était très Roseline. Hein. Ouais. Du rose sur Roseline, OK. Alors, on va regarder la vidéo de son concert. La petite a sorti quelque chose qui va on peut aller à le prochain morceau si dans l'esprit d'un enfant c'est une économie. On y va. Et puis là, bien sûr, je vous vois clairement. Mais c'est bien, c'est intéressant parce que juste après Rosine Layo, on a eu également la team exactement, la team Peya. Qui est puis dans bien quelques sûr. Jours, hein, la diva de la musique ivoirienne, José, qui a déjà annoncé qu'elle a fait un sold out pour son spectacle. Ça fait plaisir de voir la musique ivoirienne briller autant. Si. Vraiment, bravo. Et en plus de Rosine, on a la team Peya qui était là-bas. On avait pour ce concert de la team Peya, puisque vous avez vu les lunettes de Rosine Layo, l'esprit coupé décalé n'a pas quitté la salle. Parce que lorsqu'elle est partie, la team Peya s'est installée. Et ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec des guests de qualité. On avait Fior de Bior, Blaka, Polo Chacal, Didi B et même Eli Wai, le footballeur d'origine ivoirienne professionnel qui joue au RC Lens. Voilà, on va voir ça maintenant en vidéo. Polo Chacal. Team Paya.
le chouchou Taomi. Fire to buyer. Elle a eu à rail à fait travaillement. Que bateau de Tommy. Alors moi j'ai bien envie de vous poser une question. Pour vous, c'est de toute la team PEA, c'est qui fait le meilleur coup du bateau, Fernandez? C'est l'arabe. C'est l'arabe. Bon, pas pour y faire. Bon, moi, Yek. Voilà, moi, Yek. Alors, Motana, pour toi, c'est qui le meilleur coup du bateau? Ah, Kouma Lebe. Kouma Lewe. Kouma Lewe, c'est bien, bien. Ça rime au nom, là. Pour toi, c'est qui le meilleur? Lui qui fait le meilleur coup du bateau, c'est. Comment ça s'appelle? Nukuloba. Nukuloba. Nukuloba, le créateur. Moi, je ne sais pas, mais c'est Toubi Papillon. Toubi Papillon. J'aime trop son coup du bateau. En fait, c'est un bon mélange de. C'est pas trop agressif. C'est pas trop papillon. C'est bien. C'est un peu papillon, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, puisqu'on est dans les moods de bon ou pas bon, on va devoir avec Fernandez qui semble avoir un top. C'est pour qui ton top, Fernandez? Ok, je donne un top à la team PEA. Et il faut dire que la team PEA a rehaussé l'image du showbiz ivoirien depuis l'Occident. Ils ont fait une entrée fracassante, une entrée émouvante, une entrée époustouflante. Et ce qui a marqué mon attention, c'est les différents coups de mâteau. Il y avait le coup de mâteau guéré. Tu étais là-bas, on dirait. Coup de mâteau baoulé. Coup de mâteau. Et il dit oui. Le coup de mâteau baoulé. En tout cas. Baoulé. Et coup de mâteau gourou. Imaginez-vous un peu. Et ce qui a attiré mon attention aussi, à travers ces différents coups de mâteau, ils ont montré que la Côte d'Ivoire doit vivre en symbiose. Il n'y a pas de bété, il n'y a pas de guéré, il n'y a pas de baoulé, il n'y a pas d'adjoukourou, il n'y a pas de baoulé. Pour montrer à l'Occident que ici, là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et plus, le plus important, le coupé décalé entre les. Rehaussé encore à un niveau. C'est-à-dire, oui, c'est le coupé décalé. Maintenant, c'est le coupé avancé. Ça, c'est toi qui viens de créer ça, le coupé avancé. C'est la team PEA qui fait ça. D'accord. Merci. Alors, à la team PEA. Toi, c'est un flop. Mon cabinet d'avocats donne un flop. Pourquoi? Pour Roselyne Layo, pour la team PEA. Parce que. Ils t'ont pas invité? Déjà, un, ils m'ont pas invité. J'avais oublié ça. Et puis, deux, il tombe un peu trop dans l'autosatisfaction. Les gars, vous avez vu. Auto quoi? Docteur a sorti le mot pour la vous. Hein. De pluie, là. Bon, moi là même, j'ai oublié. On ne peut pas prononcer deux fois. Hein? Il se glorifie trop. Hein? Et moi, je n'apprécie pas ça. Il faut viser plus haut. Il faut viser plus loin. Est-ce que tu comprends un peu? Non. Voilà, parce que. Ah, tu ne comprends pas? Non, mais il faut être ambitieux dans la vie, je veux dire. Dans la vie, là, il faut être ambitieux. Le casino de Paris, pour rappel, c'est pas plus de 2057 places. C'est-à-dire que ça ne vaut même pas pour. Je parle pas de la culture. Hein. En matière de comparaison, en matière de capacité, le palais de la culture d'Abidjan, très joué la salle Anne Mambo, ça ne vaut même pas. Ouais. Non, on ne peut pas remplir une telle salle et puis être autant heureux, autant content. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, si vous voyez vos équivalents congolais, qu'est-ce que vous allez dire alors? Ferrego, la chair de poule. Plus de 140 000 personnes, au moins 140 000 personnes au stade des martyrs de Kinshasa. Pour rester en Afrique, s'il te plaît, si tu veux aller là-bas, c'est compliqué. Si tu prends par exemple Fally Ipupa, en 2022, stade des martyrs, même stade des martyrs de Kinshasa, un peu plus de 100 000 personnes. Tu prends leurs équivalents, Naija, Burna Boy, 80 000 personnes mobilisées au niveau de Londres. Okay. Tu prends Davido, mais il explose les records. Toi, tu remplis boîte d'allumettes. Et pardon, tu remplis une petite salle et tu commences à te glorifier. Il faut viser loin. Moi, je peux remplir le casino. Avec la fameuse chanson Je viens. Non, je viens. Le casino, mathématiquement, c'est environ 2000 places, environ. Un amphithéâtre, ça peut faire 1000 places. Deux amphithéâtres collés. Les étudiants sont là, ça fait 2000 places. Je peux remplir le casino. En fait, je comprends. Ça serait différent dans ton cas, tu obligerais tes étudiants avec des ménages. Hein. Toi, tu auras zéro si tu ne viens pas pour écouter Ricochet. Donc comme ça, oui, tu peux. Mais eux, ils n'ont pas, tu vois, ils n'ont obligé personne. Ils ont organisé un spectacle. En fait, Neji, et tout le monde est venu. Nous, on ne coupe pas après les débouts pour 20 tickets. Le seul moyen qu'on a là, c'est le stylo c'est rouge. C'est tout.
Merci beaucoup, Gora, pour cette belle touche d'énergie. Et puis, je rappelle que nous sommes toujours à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Vous pouvez toujours nous contacter via le numéro WhatsApp 01 03 00 3333. Envoyez-nous vos messages. Par la suite, on va vous inviter dans nos locaux. On va vous écouter. Et puis, une fois dans son mail, vous aurez l'aide de nos téléspectateurs et internautes. Il est toujours important de rappeler ceci. Avant de poursuivre l'émission, hein, la prochaine rubrique, c'est La Belle ou la Bête. Let's go. Alors, exceptionnellement, hein, on ne va pas avoir de développement, mais oui. On va forcément vous proposer quelque chose, histoire de vous arracher du sourire avec Bachirou le Boss. On y va. Même s'ils vont marcher de San Pedro à Corogo, de la Riviera Palmeré à Yopougon à Nanéré, ils vont le faire car leur spécialité, c'est de marcher pour démarcher. Leur spécialité, c'est de trouver des logements pour des clients dans le besoin. Mais parfois, ils exagèrent. Ils vont te faire promener jusqu'à pour chaque visite qui coûte 5 000 francs CFA. Et à la fin, tu ne trouves pas maison, tu as faim, tu n'as pas de transport pour rentrer chez toi. Certains démarcheurs sont gentils et honnêtes. Mais quand ils décident d'être mauvais, ils sont mauvais, on dirait plein d'endos. Car tu ne sais pas comment tu vas faire pour soigner ça. Quelqu'un qui te montre la photo d'une villa, mais quand tu arrives sur le terrain, c'est maintenant ils sont en train de construire, ou bien c'est maintenant ils sont en train de faire les fondations. Pour te mettre en confiance, ils se promènent parfois avec assez de clés dans leurs mains. On dirait gardien d'une prison. L'une de leurs caractéristiques spécifiques, ils ne laissent jamais de clients partir, car ils ont toujours maison. Si tu veux maison au paradis, ils vont avoir. Même si tu veux maison à l'enfer, ils vont trouver. Au regard de cette situation dégringolante et calamiteuse, que doit faire l'équipe de LBB? Merci infiniment à Bachirou le Boss pour cette belle proposition. Alors, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que Gora, tu as vécu une anecdote particulière avec des démarcheurs? Pas vraiment, vu que moi-même je suis dans l'immobilier au niveau de mon cabinet d'avocat. En fait, tu es dans l'immobilier à quel niveau? J'espère que tu as des démarcheurs. En tout cas, tu as le prototype hein, du démarcheur. Le visage confiant alors que beaucoup de mauvaise foi dans le fond. La belle, si tu as un problème de logement, je peux te céder un bureau dans mes locaux. Donc, dans tes locaux là-bas, mon maître, on va aller dormir. Non, mais quand il y a local et puis il y a locaux. Hein. Ouais, en temps normal, un local dans mon bureau d'avocat, au fait, c'est l'équivalent d'un studio américain. C'est vrai. Voilà, parce que quand on dit studio même, là, c'est-à-dire c'est appartement et puis il y a les commodités comme cuisine et puis douche, voilà, en une pièce. Est-ce que tu vois un peu? Mais le démarcheur, il chante, non, studio américain, non, viens voir, c'est un vrai studio américain. Mais tu arrives, tu ne vois même pas son haut qui est américain, tu ne vois même pas son haut qui est studio. C'est plutôt studio Baoulé. Oui, studio Baoulé. Donc franchement, on en souffre. Je profite de l'occasion pour placer en même temps cette annonce. Mon cabinet d'avocat ouvre un service immobilier. Donc pour tous ceux qui ont besoin de maison, n'hésitez pas à contacter moi. Voilà, j'ai des locaux. Les gars, si c'est chaud, allez au village. Je ne vous conseille pas du tout de venir voir ce monsieur. Alors Neji, est-ce que toi tu as une anecdote avec un démarcheur? Bien sûr. Il y a beaucoup d'anecdotes. En fait, moi je voudrais déjà lancer un appel à tous ceux qui vivent aux États-Unis. Ils n'ont qu'à faire une photo des studios américains là. On va voir à quoi ça ressemble. Parce qu'une fois, je vais avec mon frère pour visiter une maison. Déjà, les démarcheurs, ils tuent. Quand ils te donnent un rendez-vous à un point A, tu arrives à l'heure. Quand tu appelles, ils disent non, je ne suis pas loin. Le monsieur a oublié la clé, j'attends la clé. Tu es là, tu attends la clé. Et puis à un moment donné, tu le vois apparaître. Tu dis ok, allons-y à la maison. Il dit non. J'attends un gars là. C'est lui qui sait où la maison est. Tu vois. Et à un moment donné, on voit le gars qui arrive. On dit, et puis le démarcheur appelle son ami. Il dit, Joe, on va où? Et puis le gars fait comment? Comme, on ne sait pas où on s'en va. On a marché. On dit, la maison est grande. Il dit, oui, la maison est grande. Il y a des gens même qui vivent là-bas. On s'en va à la maison en chantier. Oui. On arrive maintenant, c'est-à-dire l'espace. C'est-à-dire on cherchait une trois pièces. C'est-à-dire la chambre, hein, le dépassage dessus. Moi, jusqu'à la belle ici. Ça, ah. Même c'est une maison pour fourmis ou quoi? C'est une petite maison. Et quand ils finissent, et puis tu descends, ils te disent que non. Il faut payer les frais de, visite. 5 000. Ouais. Il dit, mais c'est que tu m'as montré, là-bas que ça vaut 5 000. Ah, franchement. Vraiment, c'était compliqué. Montana, et toi, vite fait? Oui, ben moi, quand on a eu le boulot, ben, je me suis dit, il faut que je me rapproche un peu de la voie. Donc, j'ai contacté un démarcheur. Un matin, il m'appelle, il me dit, Montana, j'ai une bonne maison pour toi. Dès que tu es arrivé, il me dit, paye le droit de visite d'abord. Donc, on est là. Je lui remets les 5 000. Il me dit, bon, séance, c'est là. On va emprunter un Gbaka, on va vers Akwedo, on descend vers Gobelé, on ressort vers Durobité. Il dit, 5 000, prends 3 000 dans ma
2 000. Il est parti à la maison. C'est quoi ça, voilà. Du Châtel a des popotes. Ah, je comprends mieux. Fernandez, et toi, une anecdote? Oui, il a souffert. Tu as souffert ou tu as souffert? Oui, il a souffert. il a souffert, tout est aménagé. Tu as souffert. Oui, parce que j'ai été voir le démarcheur, il m'a dit, ah, il y a une très bonne maison. Il a même insisté, une très bonne maison, à Mikao. Et puis il insiste, il dit Mikao, il dit ok, on va quand? Il dit on va aujourd'hui. Il dit non, aujourd'hui là même, oui, tu n'es pas là même. Il y a un autre client qui nous a accompagné à Bobo-Doumé, donc pour toi, la laisse demain. Demain arrive à 8 h, je l'appelle. On arrive, la maison, les gens sont ces mains sont mêlées, les fauteuils. Et ils viennent à peine de déménager dans la maison où moi, ils veulent me mettre. En fait, ils n'ont même pas fini. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Et j'arrive, il dit, ah, c'est la maison là qui est là. Il dit, bon, on peut visiter. Il fait souvent de téléphoner. Donc moi, je rentre, je vois à peine, ils sont allés déposer le fauteuil. Il dit, bonjour, madame, il dit, bonjour. Il dit, oui, ça pour quelque chose. Non, mais le gars, lui, me dit, non, okay, oui, la maison là est libre, on peut visiter. Il dit, quelle maison? Nous, on vient à peine d'aménager. À peine d'aménager, même déposer les fauteuils. En fait, c'est une sorte de magouille pour voilà, juste ces 5 000. Alors que, il a pris mes 5 000. Bon, je n'ai rien dit. Bon. À la fois, les choses, Dieu a fait grâce aujourd'hui. Même l'affaire de 5 000, il y a un ami qui dit qu'il y a un démarcheur, il y a une maison là. Et puis, il fait visiter les gens. Les heures de visite, oui, entre 10 heures, par exemple, jusqu'à 14 heures. Donc, quand vous arrivez là, vous êtes alignés comme ça, chacun met ses 5 000, il visite. Quand il finit. Ah, ben, mais ces mecs, ils font de l'argent gratuitement. Voilà, hein, et puis maintenant, vous partez. Bon, forcément, la maison, tu enquêtes de maison. Donc, voilà. Quand tu viens, tu vois la maison, ça ne te plaît pas, tu te retournes. Et c'est comme ça qu'il fait chaque jour pour pouvoir avoir peut-être son argent de proporte ou bien son argent de poche. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est messieurs, comment vous faites vos photos? Les grands photos. Oui, les grands angles. Parce que tu peux regarder une photo. Oui. Ils vont devant un salon qui fait peut-être 15 mètres carrés. C'est ça. Tu vas avoir l'impression que c'est un 60 mètres carrés. Et quand tu arrives sur place, tu dis, mais c'est la même maison. Oui. Oui, c'est la première fois que vous voyez. Sinon, c'est grand, une bonne maison. Ils sont forts. Il y a un démarcheur lui-même là. Tellement il voulait prendre là du monsieur. Le monsieur a déménagé. Il dit, cette maison pour moi. Il a fait tourner le monsieur quand il est venu montrer la même maison que le monsieur a laissé hier là pour dire, voilà maison encore. Mieux on sort de cette rubrique. C'est les démarcheurs. Tu vas nous faire des choses folles. C'est les démarcheurs. Merci beaucoup, Bachirou le boss. Et puis, puisqu'on est dans l'émission intelligente, il est impératif de s'instruire à chaque numéro de cette émission. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de nouveau dans le monde du sport ou de la musique. Et je parle Gora ou Fernandez. C'est Fernandez. Yes, on parle sport ou musique? Oui, aujourd'hui, il va s'agir de la musique. La musique. Voilà, c'est quoi la question que tu as posée à nos génies? En musique, qu'est-ce qu'une diva? Let go. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'une diva en musique? Let go. Moment en musique. Qu'est-ce que fait diva en musique? C'est quand tu entends diva là, à ton avis, ça veut dire quoi? Chante. Chante. Mm-hmm. En musique, qu'est-ce que signifie diva? Diva. Diva, de chanter. Chanter. Diva, chanter. Oui, oui. Bon, donne-moi un exemple. Bon. Que signifie diva? Diva, là. Ça veut dire beaucoup de choses. Diva, là, si t'es... Genre, si t'es bien, quoi. De toute façon, on dit diva. Qu'est-ce que signifie en musique diva? Diva là, moi je vois que diva là, quand tu es bien, on t'appelle diva. Quand tu aimes Dieu, on t'appelle diva. En musique, qu'est-ce que signifie diva? Le voix, je ne comprends pas français. Tu ne comprends pas français? Ce que tu dis là, c'est quoi? Hein? Non, c'est français. C'est qui? C'est français? Oui. Diva, simplement. C'est moi. Diva, c'est toi! Devrais-je dire la diva ou le diva? Frère, c'est toi, t'as raison. Chacun vit sa vie de star, c'est mieux. Merci infiniment à chaque fois que vous voyez Fernandez et Gora dans les rues d'accepter de répondre à nos questions. Ça nous fait grand plaisir. Je vous donne la bonne réponse. Je vous dis ce que c'est une diva en musique. Eh bien, c'est une cantatrice de renom disposant d'une voix
exceptionnelle et d'une belle réputation. À l'échelle internationale, on peut citer entre autres Mariah Carey, Whitney Houston et Céline Dion. Et au niveau national, on pense bien évidemment à la diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné. Aïcha Koné, puisqu'on ne peut pas parler d'Aïcha Koné sans s'écouter un de ses titres. On y va. C'était le titre Baya. Exactement. Ça veut dire quoi, Baya, en malinké ou en malinké? Déjà, c'est en quelle langue? C'est les chaînes. Montana, je comptais sur toi. Ouais, Baya, à nous, quand tu doubles quelqu'un, il y a les Baya. T'es sûr que c'est ce sens-là qu'Aïcha Koné a chanté? C'est Anouchi, elle dit ça, Anouchi. Bon, c'est mon avis, je le respecte. C'est tout ça l'aspect décalé de Montana. C'est ça. À présent, on va aller pour notre prochaine rubrique, c'est Bête de TikTok. Exactement. Une rubrique dans laquelle on essaie de ramener les trends qui marchent sur TikTok. On essaie de ramener parfois des TikTokers sur ce plateau. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je me demande bien, c'est quoi la trend du moment? C'est quoi la trend qui marche? On va la découvrir après le jingle de Bête de TikTok. Alors, Neji. Oui, on avait déjà parlé ici dans Bête de TikTok du Biama et des chansons qui devenaient des trends sur TikTok, des trends qui devenaient très virales. Alors, en ce moment, c'est un beatmaker qui est très bien connu, Roche Arthur. On entend souvent dans les chansons Roche Arthur, On The Beat, qui a arrangé entre autres des chansons de Mix Premier, de certains artistes ivoiriens. Alors, lui, il a proposé un Biama, mais aux sonorités étrangères, c'est-à-dire des sonorités chinoises et indiennes. Voilà, on se demande à quoi ça pourrait ressembler. En ce moment, le Biama chinois, lui, a été repris plus de 1125 fois sur TikTok. Et le Biama indien, lui, cumule plus de 7400 vues, sinon 7400 reprises. Voilà. On va déjà écouter le Biama chinois et on revient. Mmh. 2, hein. C'est vraiment du chinois, ça? Oui, c'est une chanson chinoise, mais il a remixé, en fait, avec du Biama dessus. Bien sûr. C'est un chinois. Demain, je te donne le son. Sinon, après l'émission, je te montre le son chinois. Ok, d'accord. Alors, on va maintenant écouter le Biama indien. Roche Arthur on the beat. Et pour la chanson indienne, c'est le générique d'une chanson, pardon, d'un feuilleton indien qu'il a remixé. Alors les Ivoiriens, sinon les amoureux de TikTok, se sont vraiment amusés à danser sur ces chansons. On va déguster la compilation maintenant. Come on!
Arthur on the beat. C'est donc l'occasion pour rappeler à toutes ces personnes qui aiment TikTok, qui font des trends, qui dansent bien, qui chantent bien, et bien taguer hein, le TikTok de la page TikTok de la 3 pour qu'on puisse voir ce que vous proposez, histoire aussi qu'on puisse les passer dans bête de TikTok, TikTok, puisque c'est également une lucarne pour ces personnes qui aiment TikTok de se voir à la télé, puis de partager votre bonne humeur avec nous et nos téléspectateurs. Merci Neji. Et bien, je rappelle le sujet on s'en mêle de ce soir. C'est un producteur qui témoigne disant ceci: je loge chez moi fréquemment des artistes de mon écurie, mais cela gêne ma concubine depuis un moment. Elle menace de partir. Que faire? Eh bien, si vous avez des propositions de solutions, appelez-nous au 27 21 59 93 99 pour vous permettre d'être mieux informé sur cette situation. Écoutons l'intégralité de On s'en mêle. On y va. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Ce soir, nous sommes dans le monde de la musique. C'est un producteur de chansons, de musique qui est venu nous voir. Il nous dit hein, que ses poulains, donc ceux qui sont dans son écurie, semblent déranger sa campagne. Comment se fait-il? Qu'est-ce qu'il attend de nous? On va l'écouter, histoire de le savoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Eunice. Merci hein, de venir chez nous et puis nous vous écoutons. Ok, je suis là ce soir parce que je suis producteur d'artistes, de beaucoup d'artistes. Et vous savez, dans notre milieu, étant producteur, nous avons toute la charge de nos différents artistes, en fait. Donc, pour minimiser les coûts, j'ai pris une très grande villa dans laquelle je loge pas mal des membres de mon écurie. Mais ça date de vraiment 5 ans comme ça que nous vivons en parfaite harmonie. Mais depuis certain moment, il y a madame, ma femme, qui m'a fait asseoir pour me dire qu'elle trouve que nous n'avons plus une certaine intimité. Elle trouve que mes artistes deviennent trop encombrants. Donc elle me demande de faire un choix entre elle, et mes artistes. Donc, si j'arrive pas à faire le choix, elle va partir. Donc là, je suis là pour que vous me dites dans quelle mesure, qu'est-ce que je peux faire pour retenir madame, en fait. D'accord. On tient à préciser qu'en aparté, vous nous avez confié que vous êtes producteur, donc vous vivez de la musique, vous vivez aussi grâce aux prestations de ces jeunes artistes. Et donc, ils font aussi partie de ce qui vous permet de vivre. Donc, voilà la réalité du dilemme, c'est cela? Effectivement, c'est ça, en fait, parce que je ne peux pas les mettre à la rue parce que c'est eux mon gagne-pain en fait. Donc c'est grâce à leurs différentes prestations que madame aussi arrive à manger. Donc c'est je suis vraiment dans un vrai dilemme, je ne sais pas vraiment quoi faire. D'accord, merci beaucoup.
Voici un sans-mail hein, qui était un véritable dilemme. On attend donc vos propositions. Eh bien justement, pour donner ces propositions, il faut nous appeler au 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert. Il faut insister, il faut persister parce qu'on a plusieurs appels simultanément. Il faut être donc patient. Et quand vous êtes avec nous, il faut s'il vous plaît baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse s'entendre et échanger et tranquillement. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Neji. Ouais, ouais, je vais démarrer avec Neji. Mm-hmm. Neji, pour toi, est-ce que ce producteur doit finalement chasser de chez lui ses poulains pour faire plaisir à sa compagne? Ben non, il ne doit pas faire ça. C'est... Non, il ne doit pas faire ça. Parce que si on veut compter aujourd'hui le monde de la musique, des personnes qui sont reconnaissantes, ce sont des personnes qui ont logé leurs amis, ont logé des personnes en qui ils croyaient. Et ces personnes-là, quand le succès est venu, sont venus leur dire merci. C'est un investissement à long terme. Et puis, c'est qui? C'est sa concubine. Donc, ce n'est pas son épouse, c'est sa go. Donc, si à un moment donné, elle ne le supporte pas, elle n'a qu'à partir rester chez ses parents. Et à un moment donné, non, si elle a besoin d'intimité, elle peut aller en résidence les deux, il n'y a pas de problème. Mais, à cause des hein, artistes. C'est son gars, il peut mettre ses artistes-là. Tu crois comme... qu'on est dans une chambre d'université ou quoi? Mais attendez, madame, il faut qu'on recadre certaines choses. Hein. Disons que ces artistes, c'est comme les tomates qui vendent. Voilà, si je dois loger mes tomates chez moi, à la maison, et les gars, demain matin, ils vont les vendre au marché. Donc, c'est parce que, voilà, les tomates, là, gênent un peu madame, elle ne va pas rester là. Moi, je compte sur ces artistes-là pour nous rendre grands, pour avoir une grande maison demain, pour avoir une maison de production. À un moment donné, quand j'aurai les moyens, ils pourraient dire à ces artistes, bon, je prends la maison là pour toi, je ne suis pas venu vivre chez moi. Et on a plein d'exemples. On a MC One qui vivait chez son producteur, on a Kaes Bloom qui vit chez son producteur. Voilà. Kaes Bloom, en ce moment, il vit chez son producteur. Oui, oui. Pour éviter la fornication, c'est ce qu'il a dit. Bon, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il d'accord, a dit. C'est ton avis et on le respecte voilà. Avant de prendre celui d'une autre bête de scène. On va recevoir sur ce plateau Madame Bomba qui nous appelle de Bouna. Madame Bomba, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir, Annie. Ça va, Madame Bomba? Oui, bien, c'est bon. Ça va, on maintient le cap. On vous dit? Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ça va, Madame Bomba? Bon, c'est pas trop la grande forme compte tenu du deuil national que vit la Croix. Vraiment, je vous souhaite mes condoléances. Merci beaucoup, merci. Que son âme repose en paix. Amen, c'est ce qu'on souhaite. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Amen. Et qu'il nous accorde à nous autres un long moment. C'est tout, sinon ce soir, j'ai rien à dire honnêtement. Merci beaucoup, merci, Madame Bomba. Vraiment, merci, c'est gentil. Merci, c'est ça, justement, rapporter des prières pour sa famille et que Dieu l'accueille, évidemment, dans son royaume. Merci beaucoup, Madame Bomba. Okay. Allez, merci bonne soirée. Appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou donnez vos avis sur le ensemble de ce soir. C'est un producteur qui nous dit qu'il héberge chez lui depuis un bon moment les artistes de son écurie. Oui. Cela dérange fortement sa femme. Elle menace de partir s'il ne remercie pas les artistes, ne leur prend pas un autre appartement. Si vous avez des solutions à proposer à ce producteur qui se demande qu'est-ce qu'il doit faire, appelez-nous au 27 21 59 93 99. C'était Neji qui donnait son avis. Il estime que si elle n'est pas contente, elle doit partir. Est-ce que Gora partage cet avis? C'est-à-dire, souvent, il y a des gens qui s'amusent avec leur relation. Hein. À cause de quoi gagne-pain? Pain combien? La baguette à 200. À cause de quoi mon gagne pain? C'est à 200. C'est quand ça c'est manioc. C'est 200. C'est beaucoup de 5 francs, 5 francs collés. C'est ça qui donne un million. Hein? C'est qui gagne là? Un peu sur les artistes là. Mais il n'a qu'à mettre ensemble, il va prendre un studio pour eux. Et puis vous vivez dans quoi? On parlait de studio américain tout à l'heure. Ça là, tu as fouillé là. C'est un petit studio comme ça. Bon, chambre là, c'est divisé par traverse. Mm-hmm. Bon, il est d'un côté, madame. Il y a le lit ou bien le matelas qui est là. De l'autre côté, ce sont eux qui sont là. Mais la dame a quelle intimité? Elle a quelle intimité? Elle ne peut même pas se pomader. Oui, elle ne peut même pas se mirer. Avant de sortir une dame, la belle, je t'apprends rien. Une dame quand même, c'est l'apparence. Il faut soigner beaucoup ça quand on veut sortir. Mais quand à peine elle met miroir devant elle, elle entend... c'est pour signaler qu'il est là. Et puis, artiste qui n'a pas encore réussi. De toute façon, il finit sac de riz. Ce sont toujours, ils vont vouloir faire répétition dans la maison. Là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Courant, il va compter à charge, il va recharger. Là, ça n'a pas duré. Facture de l'eau, là aussi, ça vient beaucoup. Mais tout ça, là, il faut les libérer. Hein? Tu as partagé un peu d'intimité, ta chérie. Maman, s'il ne veut pas, là, il faut partir. Il va courir après toi.
Merci beaucoup, Goura. C'est ton avis. Je rappelle le numéro pour se joindre à nous ce soir. C'est le 27 21 59 93 99. Un numéro qui nous permet de recevoir sur ce plateau Monsieur Parfait qui nous appelle de Bongouanou. Monsieur Parfait, bonsoir. Bonsoir, madame. On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ça va, Monsieur Parfait? Oui, bonsoir, ça va. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur le sujet de ce soir, s'il vous plaît? Bon, mon avis sur le sujet est que où l'homme mange, on ne peut pas verser du sable là-bas. Ou quoi? Si voit que ses artistes lui donnent ce qu'il veut, que sa copine n'arrive pas à lui donner, il préfère choisir ses artistes pour qu'il reste avec eux, au lieu de choisir sa copine pour que demain il sera malheureux. Donc moi, mon avis, il n'a qu'à garder ses artistes et puis laisser sa copine. Où elle veut aller dans la calle? Si c'est à cause des artistes qu'elle veut partir, elle n'a qu'à partir. Il y a plusieurs femmes. Demain, si ça va, il peut chercher une autre pour la marier. D'accord. Pour l'instant, où ça ne va pas, il n'a qu'à se débrouiller avec ses artistes. Ok. Merci beaucoup, monsieur. On souhaite une très, très belle soirée à Bongouanou. Je profite encore pour souhaiter mes condoléances. Merci beaucoup. Pour ma grande soeur, Marie-Dominique Kakou. Merci beaucoup, monsieur. Okay. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se joindre à nous et donner votre avis sur le On s'en mêle de ce soir. En attendant, Montana, oui. Pour toi, est-ce que ce producteur doit, il doit libérer ses poulains? Est-ce qu'il doit les chasser oui, de la oui, maison? Oui, moi je pense que compagne. D'abord le problème c'est que quand tu es dans une relation avec, quand tu as ta chérie, il faut bien lui expliquer certaines choses. Franchement, parce que si sa chérie elle n'a pas fréquenté, tu vois que c'est le mot écurie qui peut fatiguer. Bon, quand tu dis que tu as les artistes de ton écurie, elle n'a pas pensé qu'un jour écurie il va venir beaucoup à la maison. Tu comprends un peu? Par contre, l'autre voisin à gauche, lui, il a laissé sa chérie envoyer les danseuses de sa forge. Parce qu'au final, elles vont devenir forgerons. Mais quand tu envoies les artistes dans l'écurie, il y aura trop d'écureuils dans la maison. Donc, il faut comprendre la femme. C'est écureuil, souris, ça fatigue. Donc, vraiment, il n'a qu'à laisser les artistes de son écurie. Peut-être si les artistes du poulailler, au moins, il y a poulet, il y a coq. Bon, tu vois, mais écureuil est dangereux. Écureuil, c'est un rongeur. Écureuil, oh. Hé, hey, écurie, là, faut pas accepter, maman. Écureuil va venir à la maison. Sacré Boutana, c'est pas celui qu'il faut qu'on déboie ouais, des solutions. Fernandez, pour toi, est-ce qu'il doit libérer ses poulains? En aucun cas. Pourquoi? Parce que déjà, vous-même, quand on dit producteur, les deux premières lettres, c'est quoi? P et puis R. Mm-hmm. Prendre soin, prise en charge. Ok. Imagine, tu prends un artiste. P et R? Oh oui. PR, c'est. PR? Prendre soin. Prendre. Prise en charge. Prise en charge. Voilà. C'est ça. C'est la phonétique. Voilà, imagine, tu prends un artiste depuis Joko Lilié à Lakota, il n'a pas de parents à Abidjan. Tu le loges où? À la Belle Étoile? Celui qui va te nourrir demain? Mais la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Diantre. Alors? Qu'elle respecte le mari, parce que c'est lui. Souvent, un artiste, il arrive, il n'a même pas d'habits. Il faut lui acheter des habits. Il faut lui acheter des chaussures. Il faut lui donner à manger. Quelqu'un qui chante, il faut le nourrir à bon escient. S'il veut manger 4 plats, donne-lui. Si elle a fait le pilier foutu, la carte peut pas être du riz. Voilà. Si tu n'as pas pilier foutu, au moins le riz, tu peux préparer. La sauce, tu fais sauce de 4 jours. Tu es fatigué, tu n'as pas. Mais ils vont chauffer. Artiste, c'est-à-dire un artiste qui sait où il veut aller, il est très respectueux. Et je sais que les enfants sont respectueux à la maison. Il se lave une fois pour son bien, pour ne pas trop gaspiller l'argent. Parce qu'il sait que le producteur dépense beaucoup pour eux déjà. Depuis Joko Lilié jusqu'à Abidjan. Merci beaucoup, Fernandez. C'est ton avis et on le respecte. Merci. On va prendre à présent un autre avis. C'est celui de M. Conan qui nous appelle de la Riviera Golf. M. Conan, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, M. Conan? Merci. Eh bien, on tient le coup, on va dire. Beaucoup de courage. Condoléances à vous aussi, parce qu'en tant que téléspectateur, vous faites partie de la famille et on comprend aisément la douleur qui peut être vôtre. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le sujet de ce soir, Monsieur Conan? Alors, je ne serai pas long. Et je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut soit préciser. Le monsieur, dans son exposé, il a dit, j'ai cru entendre qu'il est producteur. Ouais. Est-ce que producteur, il est en train de dire qu'il est producteur au sens littéral du mot, ou alors il est juste arrangeur? Non, je pense qu'il est producteur, c'est lui qui finance les productions musicales de ses artistes.
Je vois. Dans ce cas-là, il faut dire que... Moi, je pense que les gens sont plus vraiment très sérieux dans les relations amoureuses aujourd'hui. Parce que il y a un monsieur qui a fait son exposé tout à l'heure. Et bon, je ne vais pas l'énumérer, mais bon. Je trouve que c'est un peu désolant qu'il trouve qu'il faut chasser la dame. Il a évoqué le thème de concubine. Il a dit que c'est pas son épouse, c'est sa concubine. Mais moi, je me dis que le mariage, c'est un état d'esprit. Le foyer, c'est un état d'esprit. Le mariage, ce ne sont que des formalités. Mmh. Et donc, on part hein, de base, on sera soit elle sera ma petite amie. Et après, voilà, on va concrétiser les choses. On va dire, bon, ce sont juste des formalités. Et pour le monsieur, moi, je souhaite vivement hein, et sérieusement qu'il trouve un appartement hein, pour ses poulains, son gagne-pain, on va dire. Parce qu'il ne faut pas mélanger relation professionnelle à la relation personnelle qu'on a à la maison. Vous, c'est par ça. Exemple, vous travaillez, votre directeur, par exemple, n'est pas obligé de savoir ce que vous vivez à la maison. Exactement. Voilà. Bon, je ne serai pas loin, hein. Je pense que voilà. Merci beaucoup, Monsieur Conan, pour cet avis avisé. Merci beaucoup. On vous souhaite une très très belle soirée. Allez, ciao. Alors, le numéro pour participer à cette émission, c'est le 27 21 59 93 99 si vous venez de zapper sur le numéro 3 de la TNT ou encore de Canal+, ou si c'est le 742 Startime. Vous êtes en train de suivre La Belle et les Bêtes. Nous sommes un talk show humoristique. On vous parle de l'actualité musicale et sportive, puisque nous sommes une chaîne beat thématique. On vous parle de vos célébrités, mais surtout, nous sommes la seule émission du paysage audiovisuel ivoirien à être à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture en général. Eh bien, si vous êtes une personne X qui vivait une situation impliquant ces célébrités-là, vous pouvez nous écrire via le 01 03 01 03 00 33 33. Bien sûr. 01 03 00 33 33. Merci beaucoup, Neji. Eh bien, une fois que vous nous aurez écrit à ce numéro-là, on vous invitera ici dans nos locaux, on vous écoutera et puis dans l'entrée de la belle, on essaiera de trouver des solutions avec l'aide de nos téléspectateurs et internautes. C'est justement ce qu'a fait ce producteur qui est venu nous voir ce soir. Il nous dit que depuis un bon moment, il héberge chez lui hein, ses poulains puisqu'il est producteur d'artistes et cela dérange fortement sa femme. Elle menace de partir, se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit donc libérer ses poulains pour faire plaisir à sa femme ou est-ce qu'il doit remercier sa femme et garder ses poulains? Grande précision, il dit qu'il vit justement des prestations artistiques et de la vie artistique de ses poulains. Pour participer à cette discussion, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Alors, moi j'aimerais bien savoir pour toi, Montana, oui, est-ce que la demande de la femme, on parle même pas du monsieur en ce moment, est-ce que sa demande est logique? Est-ce que c'est logique qu'elle ait envie de qu'on libère les poulains parce qu'elle a besoin d'intimité ou bien non, pas du tout, ça n'a aucun sens? Bon, je pense qu'elle a raison, hein, elle a raison, parce que le monsieur nous a dit c'est sa profession, mais il ne nous a pas dit à qui appartient la maison, vous comprenez un peu. Bon, si elle dit qu'ils n'ont qu'à partir, peut-être que c'est elle-même qui paye la maison. Donc moi, je pense que la femme a vraiment raison. Elle a raison. Et puis pour une histoire d'intimité, tu sais, les artistes, ils sont bandits. Hein, ils vont chanter quand ils vont arriver, le repas de la pauvre dame est là. Oh, lui, il est fatigué, il va tomber dessus, il va manger. C'est tout ça qu'elle veut éviter. Donc je pense que c'est... elle a raison. D'accord, Montana. On va sur ce plateau. On le respecte. Ouais, hein. Tu as respecté. Monsieur Sissé Ibrahim, qui nous appelle de Daloa. Monsieur Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir, la belle. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, monsieur Sissé Ibrahim? Oui, je vais très bien. Ben, heureuse de le savoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le sujet de ce soir, s'il vous plaît? Oui, mais d'abord, bon, je vous dis Yako. Merci beaucoup. C'est vraiment pour ce Christmas que nous avons appris. Vraiment. Dans notre touche énormément, on vous dit Yako. Merci. Bon, par rapport à ce que vous avez dit, bon, moi, selon moi, le monsieur, il n'aime pas la dame. Mm-hmm. Il n'aime pas la dame. Parce que si tu aimes quelqu'un, à la façon qu'il se comporte là, c'est pas facile. Parce qu'une femme, a besoin d'être respectée, même si c'est ta copine. Parce que c'est ta copine, tu vas dire que bon, ça fait rien, non. Non. Faut la respecter.
Pourtant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, aujourd'hui, on voit entre les producteurs et les artistes comment ça se termine. On connaît beaucoup. On entend beaucoup. Donc, en tout cas, s'il veut la dame, il n'est pas chez une maison pour ces soi-disant artistes-là. Mmh. Ah, yeah. Voilà. Oui. Mmh. Parce que moi, je peux dire que moi-même, j'ai vécu ça un peu. Mais okay. Pas côté des artistes, mais côté des frères. Expliquez-nous, okay. Expliquez-nous brièvement. Voilà. Donc, on sait comment ça finit. Voilà, on sait comment ça finit. Donc, s'il aime sa femme, en tout cas, il n'a qu'à essayer de chercher une maison pour donner à ces artistes-là. Et il va vivre avec sa femme. Mais s'il ne l'aime pas, ah ben, tant mieux. Il n'a qu'à dire à la femme d'elle maintenant qu'il n'est pas parti. Merci voilà. Beaucoup, M. Ibrahim. On vous souhaite okay. Une très, très belle soirée à Daloa. On embrasse ces bébés à côté de vous. Allez, ciao, bonne soirée. Alors, cher okay, ami, merci. Allez, bye-bye, M. Okay. Ibrahim Cissé. Alors, ce que je peux vous dire, cher producteur, c'est qu'il y va de votre responsabilité. Hein. Quand vous allez voir les parents des gens pour faire vivre leurs enfants chez vous, ça veut dire que vous avez la possibilité de vous en occuper. Le travail n'a rien à voir avec la vie privée. Imaginez que votre femme travaille et comme elle a des vigiles sur place au travail, elle se sent en sécurité, elle décide d'envoyer ses vigiles chez vous, disant qu'elle se sent aussi en sécurité avec eux. Pour dire qu'il faut pouvoir faire la part des choses, votre femme a besoin de son intimité. C'est son droit d'avoir son intimité chez elle. Vous pouvez, si, je suppose que ce sont des artistes qui ne sont pas encore très, très connus, s'ils vivent chez vous, vous pouvez trouver un moyen de leur prendre un appartement à part dans un budget qui ne va pas forcément être un budget dérangeant. Ils peuvent tous vivre ensemble, mais pas forcément sur votre toit. Et si vous estimez que vous avez trop envie de vivre avec eux, il faut libérer cette femme-là parce qu'elle mérite d'avoir son intimité et c'est son droit de demander cela. On espère en tout cas qu'avec les interventions des téléspectateurs, vous avez eu réponse à vos questions. Et merci infiniment de continuer à nous faire confiance. On attend impatiemment vos messages. Merci beaucoup, Fernandez. Merci beaucoup, Gora. Merci, Montana. Je t'en prie, la belle. Et encore, pour terminer cette émission, on envoie toutes nos pensées positives à la famille de Marie-Dominique Kakou et que le Seigneur la reçoive dans son royaume. Merci infiniment de nous avoir suivis. Passez une belle soirée sur la 3. Allez, au revoir.